effectivement fait des vêtements, fait de bonnes choses. Et c'est en cela que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion et PME, a initié, du moins compte initier très prochainement, une communication au Conseil des ministres et un premier décret sur le port des tenues Made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, et nous travaillons sous les instructions du ministre à faire en sorte que, je ne voudrais pas le dire, il y a un directeur d'assistance qui est derrière moi, mais que lundi soit une journée qui soit dédiée au port du tenue, au port du tenue. Nous travaillons pour tout cela. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a également beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, les artisans sont pas orphelins. Et nous remercions Orange Bank, nous remercions. Oui, il me soufflait. Il y a le MIBA, le marché ivoirien de l'artisanat, que le ministère organise chaque 2 ans sous l'instruction du président de la République en 2014. Et cette année, nous sommes à la 5e édition qui va se tenir du 7 au 11 novembre au parc des expositions, et dont le lancement a été fait par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME le 1er juin dernier à l'hôtel Radisson.